Salut et bienvenue sur Silormatique pour ce nouveau tuto sur Power Apps dans lequel je te montre comment récupérer les informations d'un automate à travers de ton application Power Apps. J'ai montré dans mon précédent tuto sur Power Apps comment lancer un automate. Il peut être parfois nécessaire dans ton application de récupérer ce que l'application a réalisé, que ce soit des champs dynamiques ou des champs textuels que tu as mappés à l'intérieur. Je te montre du coup comment lancer cet automate à partir de ton application et surtout comment récupérer ces informations soit quand elle est unique, soit quand elle est multiple. On passe à la pratique. Donc voici la dernière application que j'avais fait, hein, qui permet de lancer un automate directement. Alors cet automate envoie des emails que je ne vais pas forcément remontrer. Par contre, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cette capacité à récupérer de l'information. De fait, donc, j'avais un petit élément de texte, hein, que j'avais mappé avec un petit bouton qui permet de lancer l'automate. Regarde la vidéo qui s'affiche. Si tu ne sais plus comment ça se passe, ça te permettra de savoir comment t'y retrouver. Donc là, quand je lance ça, en fait, hein, je mets un texte, tout simplement à l'intérieur de cette colonne. Et je peux l'envoyer avec ce bouton. Donc on voit, hein, que Power Apps tourne et que là, le message est envoyé. Donc au niveau mail, on peut voir qu'on a un lien. Nouveau projet soumis avec, bah, c'est pour le live, c'est ce que j'avais marqué dans ma fenêtre de texte. On voit dans cet email le premier, le texte, hein, c'est pour le live. Et on voit la date également qui est rajoutée. Donc là, voilà, ça, c'était vraiment l'utilité première de ce automate. Par contre, je veux plus maintenant. Maintenant que j'ai envoyé ça par mon automate, je veux récupérer quelques informations de l'automate directement dans mon application pour pouvoir travailler avec. Et c'est ça que je vais montrer maintenant. Pour faire ça, en fait, on va devoir, dans un premier temps, rajouter une propriété. En fait, hein, quand on a fait une demande de voyage.run, on n'est que sur une activité de démarrer l'automatisation. Maintenant, dans Power Automate, on va devoir lui exprimer le fait qu'il renvoie de l'information vers l'application. Donc je vais aller sur l'icône Power Automate et là je vais modifier l'automate que j'avais précédemment mappé en fait sur cette application. Me voilà désormais sur mon automate. Donc là j'ai Power App qui le démarre, donc avec l'information en entrée que je lui donne, il récupère l'heure actuelle et il envoie un email. Ok, donc c'était vraiment le besoin basique. Et maintenant, pour renvoyer de l'information à Power Automate, je dois lui rajouter en fait une action. Une action prédéfinie, Power Apps, et là on a l'option de répondre à une instance Power App ou à un flux. Cette action-là me permet de rajouter des paramètres. Là je vais rajouter un paramètre de texte, un état, je vais juste l'appeler état, l'envoi a réussi. Aussi simple que ça, je fais rien de plus pour l'instant. On ferme l'automate, on le recharge. Maintenant que j'ai rajouté ça, si je fais point, je vois que état est disponible. Là, j'ai demande de voyage notification.run pour démarrer l'automate. Si je fais point, j'ai l'état qui est dispo, donc ça va me renvoyer ce qui est mis au niveau automate dans l'état. Pour montrer cet état, quand on clique sur un bouton, le bouton n'est pas un objet dans lequel on va pouvoir afficher du texte. Donc du coup, je vais mettre une notification dans mon application qui va me faire apparaître un petit bandeau avec cet état. Donc typiquement, c'est pas mal ça, en tout début d'automate, quand on veut récupérer, par exemple, le statut d'une personne par un automate, c'est super pratique de le faire avec un petit bandeau de notification. Donc là, quand l'automate se termine, il envoie une notification dans Power Apps avec l'état que j'ai écrit au niveau de l'automatisation. Donc là, c'est pour le live. J'envoie l'automatisation et je vois mon bandeau tout de suite qui dit « L'envoi a réussi » et j'ai reçu le mail dans la foulée aussitôt. Donc ça, grâce à cette première réponse. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation la plus basique qu'on puisse avoir. On va également avoir d'autres cas de figure dans lesquels je veux renvoyer plusieurs informations. Mais je veux n'exécuter l'automate qu'une seule fois. Je ne vais pas le récupérer une fois pour avoir chaque information en retour. Donc par exemple, je vais vouloir un texte, une date, un binaire, qui est un vrai ou faux, ou un nombre. C'est un petit peu plus touchy. On va devoir rajouter en fait quelques éléments de configuration pour faire ça. Alors au niveau automate, il n'y a pas tant de boulot que ça. On va retourner sur la modif de cet automate pour lui donner quelques paramètres supplémentaires qu'on va vouloir récupérer. Donc voilà, je reste sur la réponse à mon instance et je vais rajouter des sorties. Un binaire, je vais pouvoir rajouter une date et je vais pouvoir rajouter pourquoi pas des nombres. Donc le binaire, envoyé. Je vais juste mettre un E. Alors là, quand on met un binaire, attention à bien mettre une expression
vrai ou faux. Okay, on n'utilise pas directement textuellement vrai ou faux. On le met en expression pour être sûr que ça fonctionne. Date, envoi. Et là, je vais mettre de manière dynamique l'heure actuelle. Je ne la formate pas, je la mets brute telle qu'elle est. Et destinataire, je vais mettre 1. Voilà, valeur fixe. Je ne m'embête pas à la mapper. Je peux mettre n'importe quoi de dynamique, en fait. Hein. Au niveau automatisation, si je veux mettre une information, une heure actuelle, je mets ce que je veux au final. Il faut juste faire attention à ce que bah, le genre de données qui est mappé corresponde à la, au type de données renvoyées qui est juste à côté. Si jamais ça ne correspond pas, on peut avoir une erreur d'exécution. J'enregistre ce flux et pour l'instant, je m'arrête là-dessus. Sur la partie automate, je n'ai pas besoin de faire plus d'actions. J'attends l'enregistrement effectif. Mon flux est enregistré. Je peux le quitter. Donc là, on mouline et ça nous permet de lancer l'automate. Alors, si je fais juste notify avec l'envoi de l'état, ça fonctionne toujours. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein, je vais faire un play. Donc, je récupère bien mon état et je le mets dans un bouton avec l'envoi du mail. Tout ça, ça ne bouge pas. Par contre, je ne récupère pas dans le même temps les autres paramètres que je viens de mapper. Donc, pour ça, je vais devoir mettre l'ensemble de ces informations dans une variable au moment où j'exécute mon automate. Pour ça, je vais faire set. Je vais appeler ma variable var automate, par exemple, quelque chose qui me parle. Et je mets la valeur complète de l'exécution de mon automate. Je mets vraiment tout l'ensemble, d'accord, sans aucune réserve. Je ne vais pas juste chercher l'état, le binaire, je prends toute l'information sans point. Donc ça veut dire que je vais récupérer 4 valeurs différentes à l'intérieur de cette variable. Et cette variable, derrière, je peux l'utiliser partout où j'en ai besoin dans mon application. Donc là, j'ai un cadre de texte dans lequel j'ai quelques valeurs que je vais pouvoir mettre. Donc là, je vais pouvoir mettre var automate, point, et là, j'ai l'état, les destinataires, envoyé, date d'envoi, exactement comme je l'ai mappé en fait hein, dans mon automatisation. Et je vais pouvoir utiliser ces valeurs partout où j'en ai besoin. Et là, je vais pouvoir dire bah, la date, c'est var automate, point, date de l'envoi. Là, c'est point état. État, je crois pas que c'est ça. C'est l'autre. C'est envoyé. Et le nombre, point envoyé. Donc pour l'instant, il se passe rien, hein, parce que j'ai pas exécuté l'automate avec la création de ma variable. Et du coup, par contre, si je play, et à l'exécution, je vois que certains des éléments ont correctement été mappés. Alors, il y en a un qui manque, c'est celui-là. On voit, il est faux. Voilà, j'ai mis deux fois envoyé, donc du coup, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je mette plutôt les destinataires. C'est ça qui est recherché. Ça marche tout de suite. Hein. Du fait que j'ai mappé correctement l'ensemble des variables, tout ça, ça fonctionne immédiatement. Alors, je vais pouvoir juste rajouter un peu sur la mise en forme bah, autant de choses que je veux. Alors ça, je l'ai mis dans un texte. Tu peux le mettre partout où tu en as besoin. Il n'y a pas que dans le texte que je vais le mettre. Si je veux le mettre dans une carte de formulaire, si je veux le mettre dans un bouton, si je veux le mettre dans une autre colonne de texte, je le mets où je veux, partout où j'ai besoin de mapper correctement la donnée. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a fait cette variable, qu'on récupère toutes les valeurs, on le voit tout de suite, hein, l'heure a bougé par rapport au moment où je l'ai exécuté. Je l'exécute encore, voilà. C'est immédiat. Alors les autres ne bougent pas parce qu'on est sur des champs qui ne varient pas. Mais l'ensemble est bien mappé avec ton automate. Tu récupères les sorties de cet automate pour l'utiliser dans ton application partout où tu en as besoin et ce de manière très efficace. Voilà pour ce tuto Power Automate et Power Apps pour le coup. On a vraiment traité un petit peu des deux sujets dans lesquels je te montre comment optimiser la communication entre ces deux logiciels. Avec Power Apps, j'avais déjà montré comment on lance un automate. Maintenant, il était temps de récupérer des informations de Power Automate dans Power Apps pour pouvoir démultiplier les opportunités de développement que tu vas pouvoir générer. J'espère que ça t'a plu et que ça te sera utile. Dans mon cas, ça l'est souvent, dans plein de développements que je peux avoir à mener, donc je te conseille au moins d'essayer ces options. Lâche un petit pouce et abonne-toi à la chaîne, ça c'est la récompense du créateur, pour savoir également quand les nouveaux tutos sortent au rythme de 1 par semaine. Allez, amuse-toi bien avec Power Apps et Power Automate, et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.